Vous datez, je sais pas quand je vais publier ce vlog, mais je tenais juste à dire que vous datez et que ça m'a trop manqué de filmer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un vlog. J'ai une amie à moi qui a été invitée à la soirée Sephora Gold du jour, donc aujourd'hui on est le 11 décembre. Donc elle m'a invitée à aller avec elle, là on va s'y rendre, j'ai trop hâte. Donc là en fait je vais aller rejoindre ma pote à l'école. Je vais prendre le train et après le métro. Donc le Sephora, c'est le Sephora des Champs-Élysées. J'espère que vous allez me voir parce que là, le ciel, regardez. Le ciel, il est grave gris. Donc bref, je disais, là, je dois aller récupérer ma pote à l'école. Elle m'attend, elle a fini plus tôt. Donc là, je vais lui envoyer un message pour la tenir au courant et pour lui dire que je suis en chemin. Comment je suis trop pressée. C'est la première fois de ma vie que je vais à un événement Sephora parce que j'ai pas la carte gold. Pour avoir la carte gold, je crois qu'il faut dépenser 1 500 euros, un truc comme ça à Sephora ou 2 500, je sais plus. Et c'est énorme. Moi, je mets pas autant dans le make-up. Même si je dépense beaucoup, je mets pas 1 500 euros dans le make-up. Finalement, Rania vient de m'envoyer un message. Elle m'a dit on se rejoint directement sur les champs, donc heureusement qu'elle me l'a dit maintenant parce que là j'allais aller à l'école. Hein. Là j'en arrive à la gare, je prends le train. Je sais pas il arrive dans combien de temps. J'ai trop hâte. Regardez comment j'ai trop de chance. Le train il est à l'approche. J'ai même pas attendu. Trop contente. J'arrive à la gare du Nord. Regardez les décorations, comment elles sont trop belles, s'il vous plaît. Ils ont grave mis le budget, hein. Ça change. Là, je vais prendre le RER, soit le B, soit le D pour aller à Châtelet. Et après, je vais prendre la Une. Mais je vais pas demander exactement quelle station, à quelle station on se rejoint. Elle m'a dit qu'elle est bloquée sur la 7. Enfin, il y a un problème de je sais pas quoi, là. Et voilà. Donc je refilme tout à l'heure. Et ce que j'aime pas avec les genres d'escalators de Châtelet, c'est que les gens, ils marchent comme si leur vie, elle en dépendait. Mais ils saoulent. Par contre, la luminosité est horrible. On est mort. Voilà, je suis sur les champs. Rania, elle me cherche, elle est devant le Sephora. Là, j'ai raccroché avec elle juste pour pouvoir filmer. Parce qu'elle m'empêche de filmer, mademoiselle. Faut que je la trouve. Je sais pas où elle est. Sincèrement, les décos sur les champs, magnifiques. Alors, où est-elle? Elle me dit qu'elle est devant. Ah, elle est là. Ah, t'es trop idiote. Je lui ai dit qu'on allait prendre un chocolat chaud chez Pierre Hermé. Ouais. Et après, il a dit qu'on pouvait revenir. Quand on voulait, le monsieur. Donc elle, c'est Rania, c'est une Algérienne. Bonsoir. Elle est avec moi à l'école. Vas-y, présente-toi. J'ai une mine très fatiguée, c'est pas mon meilleur make-up. En plus, j'ai caché mon béret. Ouais. Je me dis, cette nana, en fait, elle est aussi perchée que moi. Attends, Rania, faut que je filme mon départ, mon arrivée. Donc la nana, en fait, elle m'a rapproché au téléphone. Parce qu'elle voulait filmer son arrivée. On n'est pas amis pour rien, parce qu'on est toutes perchées. Ouais, de ouf. C'est le grand classique ça. Je peux pas venir ici et ne pas prendre l'espérance. Et ensuite on a le Montebello, c'est pistache. Non, moi je veux les exclusivités. Oui, je les avais jamais essayés. Bah, du coup, ça sera un jasmin néroli parce que j'adore le néroli. D'accord. Merci, monsieur. Rania, qui aime attendre? Personne n'aime attendre. La meuf, elle a pris toute la carte des macarons. Elle en a pris 1 milliard. Elle était là. Non, mais moi, je veux l'exclusivité. C'est l'exclusivité qu'ils ont aux Champs-Élysées et nulle part ailleurs, mais également les signatures. Voilà. Donc elle vous fera un avis en direct des goûts des macarons et celui qu'elle préfère parmi les 5 parce que c'est des macarons assez spéciaux, genre c'est caviar pétrociane, truffe blanche et noisette. J'adore. Jardin fruité. Donc voici, regardez, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait à Rania.
caméra. C'est pas glamour, franchement, on adore. On adore. It's all about details, honey. Ouais. It's all about details. Voici les fameux macarons de Rania. Tout est assez spéciaux. Alors, je vais vous les énumérer un par un si vous le souhaitez. Petit tuto macaron, et puis même si tu ne mets pas ça dans tout vlog, ça reste celui-là. Vas-y. Alors, nous avons le Mogador, qui est le chocolat au lait, fruit de la passion. Ouais. Nous avons grand classique et l'un de mes préférés, l'Ispahan. Ensuite, juste là, vous voyez cette coque rosée qui est magnifique avec des petites paillettes. Celui-ci, c'est le jasmin Neroli immortel. C'est l'édition limitée qu'ils ont ici au 86 des Champs-Élysées. Et puis finalement, nous avons le petit coup de cœur, truffe blanche et noisette. Truffe blanche et noisette, ça doit être trop spécial, ça. Bon appétit. Merci bébé. C'est lequel ? Alors, madame est sur le point de tester le délicieux macaron. Truffe blanche et noisette. Vas-y. Truffe blanche et noisette. Franchement, c'est une tuerie. Ah ouais, tu vas adorer. On sent la truffe, mais c'est pas écœurant du tout. T'as vu ? C'est trop bon. Franchement, j'aurais aimé que vous ayez le goût qu'on a maintenant en bouche. C'est trop bon. C'est juste une tuerie, c'est le petit là. Au début, tu sens grave, après tu sens plus. Ouais, mais c'est exquis. Ouais, c'est trop bon. Donc là, on va aller dans le Sephora. Il fait trop froid, hein. On est d'accord. L'invitation, s'il te plaît, madame. Ah oui, non, tu l'as pas reprise. L'invitation, si, je l'ai redonnée. Alors là, elle est en train de me faire peur. Il y a un monde de ouf devant le Sephora des Champs-Élysées. Voilà. Voilà. En plus, c'est à moins 25% sur tout le magasin, sur toutes les marques. On va faire des achats. Rania, je sais déjà qu'elle va faire des achats. Là, on fait la queue, on sait pas pourquoi. Rania essaie de demander, mais comment on fait la queue. J'ai dit on fait la queue, mais on sait pas pourquoi. Je vais vous montrer. Voilà, là, on fait la queue, on a montré nos sacs. Il y a grave de monde. Ils viennent de nous donner un petit pins. Attendez, pins ou pins, je sais pas. Comment on appelle ça, un pins? Un pin? Donc ils viennent nous donner un pin, ils ont dit qu'on devait aller à la caisse après pour récupérer un cadeau. Rania aussi, elle en a un. On se balade, c'est ça, chérie. Oui, il faut que tu regardes le programme. Là, il y a le programme du truc. Voici le programme de la soirée. Vous avez toutes les animations, tous les cadeaux, etc. Voilà. Voilà, nous sommes en train de déguster. Pleine dégustation. Ouais. J'ai mis caramel, chocolat et sucre glace. Donc je vais déguster. On adore. Là. Rania qui est à la recherche de son produit Huda. Mais il y a trop de gens chez Huda là. Tu veux prendre laquelle, le highlighter? C'est bon, je prends ça. La Golden Edition. Rania enfin teste un bronzer. Chez Garlin. Et voici. Regardez mon parfum préféré, Black Opium, c'est trop beau. Le vent dans ton frais là. On en parle de la queue, Rania, s'il te plaît. Non, mais la queue, elle est horrible. Hein. On est enfin passé à la caisse, on veut sortir, on a trop chaud. Rania se remet du rouge à lèvres. Rania se remet du rouge à lèvres, trop mignonne. C'est lequel? La meuf trop maladroite aujourd'hui. Non, mais, en fait, non, mais c'est pas sa journée là. C'est tellement chaud que en fait, le rouge à lèvres fonde. Rania, c'est son gros maquillage. Elle est trop mignonne. Ça elle m'a dit, je peux pas sortir avec une bouche pareille. Bah oui, tu sors du Sephora, ton make-up il est pas on fleek. Déjà qu'on est à l'arrache. Enfin, on va sortir. Où est-elle? T'es toute blanche. Ça fait un bien de... Ouais. Au revoir. Mais oh mon dieu, le vent. Alors Rania, t'en pensais quoi là? T'en penses quoi de l'événement? Sachez que ça fait genre 3 ans que je suis gold. Et c'est mon premier événement gold. Je sais pas si tu l'auras dit à voir. Non. Et genre c'était bien quoi, mais il y avait beaucoup de monde. Non, il y avait trop de monde. Vous avez vu la queue qu'il y avait en sortant. Ouais, moi je l'aurais jamais faite pour rentrer, parce que nous on n'a pas fait la queue pour rentrer dans le magasin. On a eu de la chance, on est arrivé parmi les premiers. On est arrivé parmi les premiers, voilà.
Mais sinon, il y a un monde de malade mental. En plus, moi, je suis agoraphobe, je déteste les gens. Dis-lui, en règle générale. Elle a failli s'en prier avec tout le monde dans la queue, s'il vous plaît. J'étais là, mais non. Calm down. Parce que le temps, c'est de l'argent, tu vois. Faut pas le perdre. Mais c'était très bien. Ravie que tu m'aies accompagnée, je te remercie. Et franchement, si vous avez l'occasion d'aller à une soirée Sephora Gold, je vous conseille, mais venez au début. Parce que franchement, la queue, là, je vous jure, on a fait une heure de queue, alors qu'on est resté même pas une heure dans le magasin, genre. Donc franchement... Ça vaut pas forcément le coup. Ouais. Ok, les moins 25, c'est intéressant, mais moi, me taper une masse si de vous avez gens, des potes qui travaillent à Sephora, vous pouvez avoir moins 30% toute l'année, donc ça sert à rien forcément de se déplacer. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rania, je peux communiquer ton snap si tu veux que les gens t'ajoutent. C'est entre filles, c'est bon jeu, n'est-ce pas, ouais. Rania. De toute façon, je vais l'écrire. Alors, Rania Bebenz. Voilà, comme la voiture un peu. Voilà. C'est pas la voiture. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Bon,